Afin d'appliquer plus étroitement les plaisanciers dans la vie de la commune, la municipalité a décidé de réserver 20 000 euros du budget d'investissement pour un programme budget participatif citoyen. Donc vous savez ce que c'est que le budget participatif citoyen, je suis en train d'en parler. Donc on l'a rajouté récemment suite à des propositions de citoyens, justement. Des collectifs, pourquoi de citoyens ? Des citoyens. Et ensuite, donc le budget, c'est de dire on ouvre un concours de façon à ce que des individus, donc des citoyens ou des groupes, fassent des propositions d'investissement. Et ensuite, alors on fait un jury, on verra exactement comment on fait, sachant que les expériences qui existent, il y en a déjà, hein, on n'est pas les premiers, ça c'est clair. Les expériences qui existent montrent que ça n'intéresse pas obligatoirement énormément au choix des projets. Donc peut-être qu'on montrera un jury, entre guillemets, de gens qui veulent s'intéresser pour pouvoir choisir les projets, en espérant qu'il y ait des projets. Mais je n'en doute pas. L'utilisation de ces fonds sera soumise à concertation dans le cadre d'appel à projets. Le choix des projets qui seront financés reviendra aux citoyens qui auront à exprimer leur préférence par un vote. Alors ce sera un vote, on ne va pas ouvrir un bureau de vote pour ça. On le fera en réunion et à laquelle sera invité toutes les personnes. Récapitulatif des différentes dépenses. Donc tout ce que j'ai dit, c'est là-dedans. Au niveau du pluvial, donc dans le reste à réaliser, c'est-à-dire c'est du budget 2018 et qui n'est pas encore dépensé. Donc le pluvial, c'est en crabe, enfin principalement, c'est en crabe tilleul, écoles, rue des écoles. Les travaux de pagnol, ben, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qui restait à faire, et donc 602 000. Travaux Cardomar, 114 945. C'est fini. Hein. Travaux de Guillaume, c'est fini aussi. Tout est réalisé. Acquisition foncière, 201 000. Non, c'est pas encore. Non. Et le préau sportif, donc ce qu'on appelle préau sportif, c'est le, on l'appelle aussi plateau sportif à côté du gymnase Jules Verne. Donc 103 000 qui est terminé également, mais il restait des factures en début d'année. Développement économique, donc ex-développement économique, on a 4 465 223 34. Donc c'est une somme que a priori on ne va pas dépenser, sauf mais il faut bien équilibrer un budget. Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses, et donc c'est la ligne qui permettait cela. C'est la provision qu'on garde pour le 924, les 4 millions, plus d'autres choses. Donc c'est une provision qu'on ne va pas dépenser cette année, parce que la route, certainement, qu'elle ne va pas être terminée cette année. On espère quand même qu'elle se fera, parce qu'elle est indispensable, ne serait-ce que pour qu'on puisse avoir des transports en commun efficaces qui nous amènent à Colomiers. En tous les cas, qui amènent les gens de l'Ouest à Colomiers. Provision pour grand projet. Donc là, c'est aussi une réserve qui permettra de financer d'autres grands projets. Si vous vous rappelez bien du budget de l'année dernière, on était aux alentours de 5 millions. Là, on est aux environs de 2,5 millions, sachant que l'année dernière, il y avait le projet de la médiathèque et les vestiaires de foot. Donc les vestiaires de foot qui font partie des projets accessibilité. Donc projet médiathèque, donc c'est l'achat de, on le verra dans une, on aura une délibération, on aura une délibération tout à l'heure là-dessus. Donc on a mis 2,5 millions au budget. Budget participatif citoyen 20 000 euros, fonds de concours voirie 602 255 euros. Donc voilà, je rappelle, c'est ce qu'on versera à la CCST pour les sommes qui sont au-dessus du budget CCST pour les voiries qui sont faites à Toulouse, à Plaisance. Projet accessibilité 2019, donc c'est l'ensemble des bâtiments que j'ai énoncés tout à l'heure et qui représentent 1 257 500.
Travaux du filial, 350 000 euros, c'est l'étude, la fameuse étude. Donc on a budgété pour l'instant que ça. Piste cyclable, Cugnot-Muguet, c'est l'ensemble des pistes cyclables, et en particulier, il y en a une qui est entre la route de Cugnot et la rue de Muguet, pour laquelle il faut qu'on acquiert encore un terrain, je crois. Un ou deux, trois. Deux, trois. Voilà, deux. On dit deux. Deux ou trois, mais bon, on a des toutes petites bandes à acquérir, on va pouvoir faire. Si vous voyez la rue la rue des Mésanges, la rue Mince, c'est encore c'est la rue des Serins. Des Serins, voilà, la rue des Serins, là où il y a des maisons, enfin des immeubles et des maisons qui ont été faits récemment. Il y a aussi un plateau sportif, un plateau traversant. Et enfin, vous avez vous avez un fossé. Et en fait, ce fossé, il va nous permettre, il est utilisé, mais il va nous permettre de faire une piste de piéton cycle qui partira de là et qui ira vers la rue du Muguet. Et donc, on rejoindra par là les Jonquilles et donc tout le centre Saint-Nicolas III, etc. Donc, pour les piétons cycles, ça sera beaucoup mieux que d'aller faire le tour par les Anges. Travaux de réseau en délégation. Avec un coup de mémoire. Donc c'est quand la communauté de communes fait les routes, il peut y avoir des travaux qui reviennent à la mairie. Donc c'est toujours la CCST qui paye. Et ensuite, on rembourse, donc, et là, sur ce budget, il y a 207 000 euros. Le parking Boulodrome, alors c'est le parking qui est devant Pagnol, devant le gymnase Pagnol, qui pour l'instant a 30, il doit avoir une trentaine de places dessinées, puis en plus, il y a du sable. En fait, on va aménager un parking complet, donc c'est toujours pareil, hein, c'est la CCST qui va le faire, mais... La commune va le payer, on va payer une partie. Et donc il y aura 90 places à peu près de parking qui vont être créées devant le parking, donc devant l'école et le gymnase Pagnol, et qui permettra justement une plus grande entente entre les boulistes et les parents d'élèves de Pagnol. Matériel et petit aménagement scolaire, 87 700 euros, c'est l'ensemble des travaux, des petits travaux, enfin petits, mais qui s'ajoutent à force dans les écoles. Donc il y a un certain nombre de... Bon, on va pas vous donner la liste ici, ce sont des différents coûts. Et acquisition foncière, 206 000 euros. Donc on prévoit quand même d'acheter des fonciers. Okay. Donc ensuite, vous avez les recettes. Donc c'est pareil. Je vous laisse un petit peu de temps pour les recettes. Donc je parle très très peu de la colonne développement économique. On voulait le mettre en exergue depuis plusieurs années. Mais en fait, cette année, il ne s'est pas passé grand-chose. Et cette prochaine année, on n'a rien prévu de particulier. Donc, mais sinon, on reste quand même avec une volonté d'identifier le développement économique de ce qui reste, enfin, du reste du budget. Alors, un joli camembert. Donc on voit qu'effectivement, on est entre les ressources propres et l'autofinancement. On est prêt à tout payer. La dette. Voilà. Donc ça, c'est classique. On voit quand même qu'elle s'étend en 2028. C'est très classique. Alors, ce qui est moins classique, c'est qu'elle s'arrête en 2028. C'est-à-dire qu'on a quand même on ne s'endette pas. On n'est pas endetté sur 50 ans. 2028, c'est 10 ans. Donc ça veut dire quand même qu'à partir... On a quand même la possibilité...
pour rester à la même annuité, d'avoir des emprunts. Donc, on est... voilà, il y a un commentaire qui est juste après. En 2019, l'encours de la dette au 1er janvier 2019 représente 407 euros par habitant pour Plaisance. En 2018, il représente 475 euros par habitant, alors que la dernière moyenne connue de la strate est de 847 euros par habitant. Donc, ça montre que, voilà, M. Escoula a bien travaillé. Budget. Alors, est-ce que vous voulez les questions maintenant ou on fait la régie de transport? Allez, les questions. Tu vas? Vas-y. Non, c'est juste une question pour information, parce que je vois dans la section investissement, au chapitre 21, à l'article 316, page 20, il y a équipement du cimetière, il y a une dépense, il y a un investissement de 10 000 euros au cimetière, qu'est-ce qu'on va faire au cimetière? C'est pas précisé. On achète le columbarium. Pardon? On achète le columbarium. Ah bon? On achète en particulier un columbarium. Mais pour les deux cimetières? Non. Que Rudy a. C'est le cas de Saint-Olivier. Ok, merci. Alors, moi j'ai une question, c'est pas exactement une question, mais je reprends tout au début de l'exposé hein, par rapport à ce budget où on parlait d'avoir remis une adsène par classe, que c'est un choix de la commune. Je me demandais si c'était vraiment un choix ou si c'était pas une contrainte, enfin, avoir cédé à une contrainte, mais bon. C'était un commentaire plus qu'une question. Une contrainte de qui? De la pression des usagers. Parce qu'en fait, il y a eu un constat. Je vous rappelle qu'on a supprimé des postes d'ADSEM il y a 3 ans, ouais. Et que face à une contestation assez forte des usagers, des parents d'élèves et des enseignants. Alors, c'est aussi les services. Et les services. C'est-à-dire qu'on est. Alors. Moi, j'ai rien contre les parents d'élèves et contre les enseignants. Mais quand ils proposent quelque chose qui correspond à ce que les services nous remontent, c'est-à-dire des difficultés au niveau du fonctionnement, et qu'avec un investissement, c'est pas un investissement, mais avec du budget de fonctionnement qui permet de faire en sorte qu'on ait une ADSEM par classe. Voilà. Alors après, moi je suis un homme politique. Il m'arrive, et il m'arrivera peut-être d'autres fois, de céder à la pression des gens, quels qu'ils soient. Mais c'est quand c'est cohérent que ça va dans l'intérêt de la commune, et en particulier dans l'intérêt des enfants. Et donc, si on peut améliorer les choses, on le fait. Cette expérience d'enlever des demi-postes, il avait un but à un moment donné qui était très précis, qui était une baisse des dotations de l'État qu'on attendait et qui allait être drastique à la fin de ces dotations. Donc on avait un besoin absolu de réduire les dépenses communales et en particulier les dépenses de personnel, qui était le plus gros poste à l'époque. Donc tous les services, parce que quand vous avez vu dans le compte de résultat 2018, on a parlé aussi des postes qui ont été supprimés, tous les services ont participé à cet effort budgétaire qui a permis justement de passer un cap. Il se trouve que maintenant, les dotations remontent légèrement. On peut espérer qu'elles ne rediminuent pas aussi drastiquement que ce qui avait été promis à l'époque. Donc, on a la possibilité d'améliorer le service et en même temps d'améliorer les conditions de travail des ADSEM. Et donc, c'est très bien que les parents d'élèves l'aient demandé. On le fait maintenant parce qu'on peut le faire maintenant. Ouais. Non, mais on est tout à fait d'accord. Mais je voulais simplement rappeler qu'on avait été en opposition à cette mesure quand elle avait été prise. Moi, j'ajoute quand même quelque chose. Oui. Vous avez créé un problème en supprimant les postes d'accès, une accès par classe.
indispensable. Et au même moment, quand vous supprimez des postes de fonction publique au niveau catégorie C. Et la même année, on embauchait un directeur de cabinet catégorie A. Donc je pense que si des économies avaient été à faire, c'était là qu'il fallait les faire. Le directeur de cabinet, il a été embauché en début de mandature. Et donc, l'économie sur le personnel, vous venez de nous dire que tous les efforts avaient été faits dans tous les domaines. Moi, je trouve ça curieux. De même, quand vous avez embauché en doublon un fonctionnaire catégorie A, donc un attaché, sur le CCAS, il n'y avait pas d'urgence. Alors déjà, vous êtes pas très gentil pour les directeurs de cabinet. Je peux vous assurer qu'ils servent, et en particulier, ils ont servi énormément à pouvoir répondre aux Plaisançois, à toutes les doléances des Plaisançois. Depuis le début du mandat, on a pris un engagement. On parle d'économie. Je vous dis en quoi c'était. Ensuite, au niveau des ARCEP, je vous dis que tous les services ont fait des efforts et effectivement les ACEP ont représenté environ 1,8 temps plein, donc c'est pas non plus énorme, mais je savais, il y a vous avez dit c'est indispensable. Alors je sais pas si vous avez eu des enfants en maternelle, Madame Regnault-Violent, moi j'en ai eu dans les années, il y en a une qui est née en 89 et l'autre en 93. Elles sont allées toutes les deux aux trois pommes. Je peux vous assurer qu'à l'époque, il n'y avait pas une ATSEM par place. Et je peux vous dire que l'éducation de mes filles en milieu scolaire, je ne suis pas sûr qu'il soit beaucoup plus mauvais que celui que les enfants peuvent bénéficier maintenant. Donc quand on dit c'est indispensable, et ben, je suis désolé, il y a des millions d'enfants, et je crois qu'il y a encore des millions d'enfants en France qui sont éduqués par des enseignants qui ont autant d'élèves, parce que du coup, je me suis posé la question, j'ai demandé combien est-ce qu'elles étaient par classe. Elles étaient aux trois pommes à l'époque, elles étaient entre 30 et 32. C'était des effectifs encore plus importants que maintenant. Et il y avait une enseignante et une ATSEM qui préparaient un certain nombre de choses, mais qui n'étaient pas dans la classe depuis le début de la journée jusqu'à la fin. Si je peux simplement me permettre d'ajouter une chose, oui, j'ai eu des enfants en maternelle. Déjà, la situation de l'époque est peut-être un peu différente, mais il faut quand même savoir que quand vous avez des tout-petits en classe de maternelle, quand vous en avez un qui a des problèmes liés à l'hygiène, c'est très difficile quand il y a une seule personne dans la classe, à savoir la maîtresse d'école, ou l'instituteur, ou la professeure d'école, comme on l'appelle. Difficile à gérer. Donc je ne pense pas que c'était que c'est justifiable, quelle que soit la manière dont on le tourne, mais après c'est un point de vue, c'est un point de vue. C'était pas celui des parents d'élèves, c'était pas celui de pas mal de gens. Et comme je vous dis encore une fois, quand il faut faire des choix au niveau du coût du personnel, ben, c'est peut-être pas le moment d'embaucher en catégorie A quand on supprime les catégories C. Si je peux me permettre un point d'ordre, on vous a écouté depuis le début de votre intervention sans parler en même temps que vous, donc ce serait bien quand on fait un commentaire que tout le monde ne parle pas en même temps, c'est assez insupportable. Je ne peux pas parler, non, je parle pour les conseillers. Il y a 4 ou 5 personnes qui parlent en même temps que Nicole. Je ne vérifie pas que chacun est réveillé, que chacun est. Non, mais je ne m'adresse pas à vous. Je m'adresse à vous, les conseillers, s'il vous plaît, qu'on s'écoute, ce serait sympa. Sinon, ça va durer plus longtemps. Sinon, il y aura une règle et. Non, mais c'est simplement. C'est une question de respect. Alors, si je peux continuer mes commentaires sur le budget. Excusez-moi, monsieur, oui, Barthé, mais quand j'ai fait la présentation, voilà, il est possible parler. Et je n'ai rien dit. Bon, veuillez m'en excuser si. D'accord. Je m'en excuse.
J'ai bien entendu à la fin de votre présentation que cette année, on n'a pas eu de dépenses et d'investissements sur le développement économique hein, et qu'on ne prévoit rien sur 2019. C'était une confirmation que je voulais avoir. Je vais passer rapidement, j'ai deux points à aborder. Sur les salaires, le budget des salaires, c'est, vous savez, le poste, un des postes les plus importants pour la commune. Lors de l'exécution 2018, on nous a annoncé le transfert des activités périscolaires à un prestataire qui allait entraîner une baisse des salaires. Donc on a effectivement une baisse de 1,4 million d'euros des salaires, si je ne me trompe pas, affectés à ce transfert. Avec de l'autre côté, une hausse des prestations d'environ 1,7 million d'euros. Et ce que je n'avais pas, et c'est là la question que je pose, ce que je n'avais pas intégré, c'est qu'on a également un transfert de la dotation de la CAF directement qui sera payé, donc directement à l'EC, qui ne sera plus payé à la commune. Est-ce qu'on peut avoir le montant, puisque c'est noyé dans l'ensemble des dotations, de cette baisse de la CAF, vous savez? Si vous ne savez pas, ce sera une question. Donc ça veut dire que cette baisse, ce transfert, on va dire, ne correspond pas à vraiment une baisse de dépenses pour la commune. Et on nous avait dit que pour 2019, il y aurait une baisse. Là, dans le budget, on prévoit à le même niveau. Donc il n'y aura pas de baisse de la masse salariale suite à ce transfert. Non, la baisse a eu lieu en 2018. Non, c'est pas ce qui avait été dit. On nous avait dit qu'il n'y a qu'une partie de l'année qui est concernée, donc il y a une première partie de baisse, et que ça va continuer à... C'est ça. On a augmenté. On est exactement au même niveau. Alors qu'on aura des frais, en particulier pour la revalorisation du pouvoir d'achat, on a un certain nombre de frais supplémentaires. Alors je ne sais pas. Là, effectivement, je suis désolé, je ne suis pas dans les détails. Mais ce qui est sûr, c'est que... Alors, le passage à l'EC, je ne crois pas que quelqu'un ait dit que ça allait nous faire des économies. Le passage à l'EC, il avait... Ah non, je ne crois pas qu'ici, il y ait eu quelqu'un qui ait dit une seule fois que ça allait faire baisser... Je n'ai pas parlé d'économie, j'ai parlé de baisse de masse salariale. Mais oui. Ah, mais la baisse de la masse salariale, elle a eu lieu en 2018. Oui, mais on nous avait dit au moment de la présentation, on aura une partie de la baisse en 2018 et ça se poursuivra en 2019. Moi, je me souviens de ça, mais bon... Après... Oui, mais on a quand même un certain nombre de revalorisations. Oui, oui, oui. On est dans un budget. Donc, on sait que par rapport au réalisé 2018, on n'a pas aligné le budget sur le réalisé 2018 parce que on aura, de toute façon, des augmentations liées aux carrières et des augmentations exceptionnelles liées aux décisions gouvernementales. Donc de toute façon, on ne pouvait pas baisser de la même façon et on est resté au même niveau, alors qu'habituellement, d'une année sur l'autre, quand la masse salariale, c'est-à-dire quand les salariés, le nombre de salariés ne change pas, d'habitude, il y a une hausse. Donc c'est vraiment ça. Alors, on n'a pas de baisse, mais on n'a pas de hausse. D'accord. Non mais je voulais signaler quand même cette situation parce qu'on fera le bilan peut-être un peu plus tard de cette décision. Pour l'instant c'est trop tôt pour le faire, mais je passe aux recettes de fonctionnement très rapidement. Ça, c'est un marronnier. Vous avez encore dit que les impôts n'augmentaient pas. Oui. Mais ils ont... Le taux d'imposition, je crois que j'ai été... Donc je précise... Non, les impôts. Et c'est pour ça que je précise. Le taux des trois taxes n'a pas augmenté comme depuis plusieurs années, mais les impôts depuis plusieurs années, depuis d'ailleurs toujours, augmentent parce qu'il y a la base qui est réévaluée. Voilà, simplement pour je préciser. Je crois que je l'ai dit, mais... C'était pas écrit, donc je ne peux pas... C'était le commentaire du fameux tableau illisible. Dernier commentaire, c'est sur cette fois-ci la section d'investissement.
Parmi tous les projets que vous avez annoncés, j'en retiens trois importants qui ont été recensés. Donc 4 millions, un peu plus de 4 millions et demi, enfin oui, aux alentours de 4 millions et demi d'euros qui sont mis en réserve pour la construction de la route départementale 924. On a 2 millions et demi d'euros pour des grands projets et puis 2 millions et demi d'euros aussi pour la médiathèque qui sont budgétés cette année 2019, hein, en avril 2019 aujourd'hui. Donc on a à peu près 10 millions d'euros qui ne sont pas dépensés en 2019. Et oui, on est obligé pour la médiathèque, on est obligé, c'est, vous savez, c'est technique, c'est-à-dire que pour demander, et d'ailleurs on va le faire tout à l'heure, on va demander une subvention de la DRAC, et donc on est obligé de l'inscrire au budget. Parce qu'on ne fait pas de pluriannuel. Mais je n'ai pas dit qu'on n'en fera jamais. Donc on ne peut pas dire que c'est impossible. Et là, en fin de mandat, jusqu'en 2020, on va avoir du mal à faire un pluriannuel, sachant qu'on ne sait pas qui sera quelle sera l'équipe municipale à partir de mars 2020. Ça aurait peut-être été un moyen de verrouiller certains projets pour l'équipe. Ah oui, mais nous, on n'a pas envie de verrouiller. Voilà. D'accord. On préfère que les gens fassent une campagne, proposent des projets, et qu'ensuite ils assument leurs projets, et que nous, on ne verrouille rien. Voilà. La question n'était de toute façon pas là, et c'est pas une question, c'est un constat. De la programmation pluriannuelle, ça fait donc plusieurs années qu'on n'en fait plus, puisque maintenant on n'a plus qu'une dernière opération sur laquelle on a un petit solde de contentieux sur les bras. Mais sinon, on n'a donc depuis plusieurs années pas de programmation pluriannuelle, donc il ne s'agit pas d'une question de fin de mandat, mais une question de stratégie politique. Hein, et ça se discute et ça s'entend. Aujourd'hui, on a cette année donc 10 millions d'euros de budget d'investissements qui ne seront pas dépensés cette année pour des raisons diverses et variées, mais je voulais faire compte, ça, c'est quand même 10 millions d'euros, ça représente par exemple la masse salariale. Voilà mes commentaires sur votre présentation budgétaire. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres ? Pour les prochaines questions sur la médiathèque. Oui. Alors, on va avoir deux délibérations après. Ouais, est-ce que ça vous dérange de les reporter ? Ça ne dérange pas qu'on la reporte. Parce que comme ça libérera les gens qui sont venus que pour vous. Merci. Ah ben, il n'y a pas tout, oui, je sais. Je ne sais pas si ça... Non, mais... On les laisse... Pardon. J'ai une question à vous présenter, le taux des trois taxes. Il y a une taxe qu'on ne parle pas souvent, mais qui a augmenté là, au début d'année. C'est la taxe cabane des jardins. Bon, ça paraît pas un truc, mais ça a augmenté. Le gouvernement l'a proposé à plus de 3,9%. Donc, pour information, je voulais savoir si vous aviez l'intention de l'augmenter. Alors, je vais passer la parole à Monsieur Malherbe, si vous vous souvenez, on a fait une délibération, je ne sais plus quand, concernant la plantation de ces 10 cabanes. Par le biais d'une diminution des taxes. On a diminué de plus de 50% les taxes afférentes lors de prestations, de construction, je veux dire. Est-ce que vous reconduisez ? C'est ça que je veux dire. Bah, oui, de toute façon, tant qu'on n'aura pas voté, on n'aura pas changé cette taxe, on continuera dans cette taxe-là. D'accord. Alors, qui est contre ce budget ? Pas par section. Alors, par section, pour le fonctionnement du budget 2019, qui est contre ? 8. Qui s'abstient ? Je vous remercie. Pour les investissements du budget 2019, qui est contre ? 8. Qui s'abstient ? Je vous remercie. Et c'est bon. Hein. Oui. On fait transport. Ah oui, alors ça continue le slideshow. Ouais, mais là, je ne vois pas les chiffres. Non, mais il n'y a pas de commentaire. Il manque un vote. Ça va aller super vite. Monsieur le maire, oui. Il manque un vote. Ça vous dérange, madame Montaud, pour qu'on le fasse maintenant ? Non. Allez, on met. Merci, madame Montaud, vous nous faites. Alors, les taxes. Donc, on les baisse de combien ?
Alors, les taxes d'habitation, on parle des... Alors, je vais le dire très clairement. On parle des taux d'imposition et non pas de l'impôt. Et donc, sachant que... On le sait de combien c'est augmenté la base. On le savait, hein, je crois. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, non, c'est pas grave. Donc, les impôts... C'est pas 1,89 ? C'était supérieur à 2, il me semblait, mais j'en sais pas ce que. Monsieur Moury dit aussi supérieur à 2, mais bon, il ne pas. Donc la taxe d'habitation à 13,68 euros, donc exactement le même montant que depuis, je ne sais plus, je m'en rappelle plus dans le tableau. Non, pas le pourcentage du coup. Le foncier bâti, 28,4%, donc pareil, depuis 2013. Et le taxe foncier non bâti, 126,33, et je crois que c'est pareil depuis 2013. Qui est contre ? Alors, combien de contre ? Avec les montez les deux doigts si vous avez une procuration. Ça fait 5, c'est ça ? Non, pour moi il y a 7. 7 ? 7 Bon, bien, allez, vous en faites pas. Qui s'abstient ? 2 abstentions. Qui vote pour ? 3 abstentions. Alors, 3 abstentions. Voilà. 2,2 l'augmentation des bases. D'accord. Non, mais c'est, on sait bien. On sait bien que l'augmentation des bases, c'est décrété par l'État et c'est pas juste la vôtre. Et du coup, je vois qu'on avait. Il y avait l'affectation. Ah oui, c'était avant le. Okay. Alors, on fait le budget de transport. Alors, allez-y, montrez le tableau. Alors, en France, il y a un total de 13 544 pour le budget 2019. En euros, ça c'est en fonctionnement. Et en dépenses de fonctionnement, en recettes de fonctionnement, c'est le même montant parce que un budget, c'est obligatoirement équilibré. Et en investissement, 49 952 euros en dépenses et le même montant en recettes. Des commentaires. Donc une subvention, chapitre 13, de 90. Ah oui, alors. Madame Ambrousse vous rappellera qu'il faut bien équilibrer les budgets. C'est bon ? Alors, pas de commentaire. Qui vote contre le budget transport ? Qui s'abstient ? 8. 8 abstentions. Monsieur. Ah, mais il est plus là, non ? Allez, hop, ça on a passé. On va y arriver au bout, hein, je vous assure. Ah, je n'ai pas voté par section. Alors on vote par section parce que non, sinon. On vous en voudra pas, on va faire ah ouais, non, mais on ne sait pas. Hein, c'est... Allez, on revote. Pour le budget transport, et pipi. Donc pour le budget transport, section fonctionnement qui est contre, qui s'abstient ? 8. Pour le budget transport, section investissement qui est contre, qui s'abstient, 8. Allez, hop, on l'a fait. Et on dira que monsieur le secrétaire qui avait une pour deux mois. Non, il y a une urgence, c'est pour ça qu'il y a pas mal. Alors, on a fini là, on a fini. Alors, autorisation de programme crédit de paiement APCP concernant certains programmes du budget communal.
Donc, je remercie M. Barbier, puisqu'il en a déjà parlé, donc j'en parle pas plus. Il y a une queue de programme pluriannuel qui concerne la crèche, le train des bambins, et pour lequel, normalement, c'est la dernière année, si j'ai bien compris. Et voilà, et donc, on vote 1 million. Non, ça c'était pour mémoire. Le nouveau montant des AP est de 0. Et donc, du coup, on aura fini notre programme d'investissement. Voilà, donc notre AP c'est bon. Ok ? Non, il y a encore 26 000. Pardon ? On a encore 26 000. Ah oui, c'est ça qu'on vote. C'est les 26 000. €5,100. Mais alors, du coup, c'est pas fini. Alors. Non, c'est pas fini. Ah, ça devrait se terminer cette année, puisque ça dépend de la justice. Hein. Puisqu'il y a effectivement, comme M. Barbier l'a dit, on a un litige avec, voilà, pour la construction de cette crèche. Et que, on pourrait imaginer. Heureusement qu'on n'a pas attendu que la justice termine avant que les enfants rentrent dans la crèche. Alors, qui est contre cette autorisation de programme crédit de paiement à PCP ? Qui s'abstient ? À l'unanimité, je vous remercie. Tu veux faire. Tu l'as le tableau des subventions ? Je le. Non, mais tu veux faire le vote. Non, non, il n'était pas en annexe. On l'a reçu. Donc, je laisse la parole à M. Ranéa. C'est bon ou pas ? Allez. Et le tableau. Donc, vous avez eu le tableau. Oui, donc le tableau a été joué effectivement dans l'ordre du jour. Juste pour rappel, on va faire les totaux qui étaient engagés en 2018 et réalisés en 2018. Donc sur le total subvention versée aux associations en 2018, le montant total s'est levé à 124 430. Avec un certain nombre de subventions, des montants de subventions qui sont calculés depuis pas mal d'années selon des critères qui ont été établis et présentés à l'ensemble des associations pour établir le montant des subventions qui sont allouées, accordées à chacune des associations qui le demandent. Puisque certaines associations ne demandent aucune subvention de la part de la municipalité. Sur les propositions au budget de prévisionnel 2019, le montant total est de 129 840, soit, donc, comme l'avait annoncé M. le maire tout à l'heure, une légère augmentation de 5 000 euros environ, 5 500 euros. Non, c'est une légère augmentation, c'est beaucoup moins que ça, en fait. Là, c'est parce qu'on a sur le montant total. On a de la subvention exceptionnelle qui n'avait pas été. Oui, mais si on regarde sans les subventions exceptionnelles, oui. Voilà. Sans les subventions exceptionnelles, on a quand même une augmentation qui est constatée. Donc en fait, avec un versement à peu près similaire, on va dire sur le principe, à ce qui avait été accordé en 2018, légère fluctuation sur certaines associations, mais qui sont en fait peu sensibles sur le montage financier, comme vous avez sûrement pu l'observer au niveau du tableau. Y a-t-il des questions ? Comme tous les ans, je ne voterai pas cette délibération pour ne pas avoir de conflit d'intérêt. Okay. Donc moi, juste une petite question. Oui, bien sûr. Vous avez pu les expliquer l'année précédente, mais les critères de répartition, en dehors du fait que certains demandent ne demandent pas, c'est quoi ? C'est au prorata du Je vais vous en donner quelques-uns. En fait, et Philippe complétera. Donc, en fait, on a effectivement le nombre d'adhérents qui est pris en compte avec la répartition sur la commune, le nombre d'adhérents qui sont sur la commune de Plaisance-du-Touche. Ensuite, il y a surtout aussi la prise en compte du critère jeune, c'est-à-dire du nombre d'adhérents de moins de 18 ans.
qui offre un poids un peu différent justement sur l'ensemble des critères. Ensuite, il y a le niveau de formation des éducateurs qui est pris en compte. Il y a la participation à la vie communale, qui est un critère aussi qui est pris en compte. Et puis il y a le critère financier. Et il y a le critère voilà, de la santé financière et du, en fait, de la, l'avance de trésorerie potentielle que peut avoir une association pour pallier à des difficultés ou des problématiques qui peuvent arriver. Et puis il y a la compétition pour les sports. Et effectivement, le critère de compétition qui est retenu en fonction des associations sportives. Donc si elles sont inscrites au niveau départemental, au niveau régional ou au niveau national. Ok, merci. Bon, moi, je vois le Rudy à 15 avec 1500 euros. Alors, ça s'explique parce que le rugby à 15, donc c'est RCSP, la salle de Tartaisan, qu'on subventionne depuis très 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 longtemps, a présenté un budget dans lequel il avait une baisse assez drastique des subventions communales. Et sans préciser, il n'a pas fait de demande à Plaisance, c'est-à-dire qu'il n'a pas identifié le montant de subvention demandé. Et il est passé, je crois, de quelque chose comme 19 000 euros de subvention, alors de tête, hein, de 19 000 euros de subvention de l'année dernière à quelque chose comme 8 000 ou un truc comme ça. Voilà. Donc c'était une baisse drastique. Et comme, à part ce dossier-là, et à part, on n'a pas eu d'informations sur cette baisse, donc on a dit, il n'y a pas de raison que Plaisance ne participe pas à la baisse des subventions de l'URCSP. Après, c'est vrai que ça fait 2 ans, c'est la deuxième année, où, alors que l'année dernière, ils avaient conservé, je crois, le même niveau de subvention, alors qu'ils avaient été descendus de fédéral en régional. Et donc on peut imaginer qu'ils ont eu une année où les subventions sont restées identiques, et qu'ensuite, ils ont tenu compte de cette baisse. Mais on n'a pas eu plus d'informations que ça. C'est bon ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie à l'unanimité. Alors, il y avait Monia et Pascal. Voilà, Monia. Donc, ça fait deux. Subvention d'équilibre 2019 versée au Centre de protection sociale. Donc, c'est on en a parlé tout à l'heure, on reste sur la même subvention que 2018, c'est-à-dire 270 000 euros. Est-ce qu'il y a des commentaires ? Alors, qui est contre cette subvention au CCAS ? Qui s'abstient ? Je vous remercie à l'unanimité. Non, il y en a encore. Subvention d'équilibre 2019 versée au budget annexe des transports. Donc, on propose une subvention d'équilibre d'un montant de 5500 euros de façon à ce que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif de la commune en dépenses de fonctionnement et au budget primitif annexe. Mince, je crois qu'il y avait une... Des questions sur cette subvention de 5500 euros ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité, je vous remercie. Répartition des crédits de formation des élus. Donc, ça c'est pareil, hein, c'est classique. Donc, il y a une répartition de somme de 4700 euros qui a été inscrite au budget 2019. Il est proposé, donc c'est au prorata toujours du nombre d'élus dans chaque groupe, il est proposé une possibilité de dépense de 3 500,60 € pour le groupe Agir pour Plaisance, 25 élus, et de 1 140 € pour le groupe Réinventons Plaisance.
Donc, ce qui. Mais en même temps, je. Alors là, c'est vous vous rappelez de ce que disait toujours M. Escoula. Il y a des subventions, il y a des programmations à la télé qui n'a plus, pas plus le budget, donc qui sont. Qui permettent donc de voilà, d'avoir des formations sans que le budget communal soit impacté, puisqu'on participe déjà par ailleurs à la télé. Donc c'est bien de regarder le catalogue de la télé et de choisir les formations. Et je sais qu'il y a des élus, y compris des élus de Réunion en présence, qui se forment grâce à la télé, et je vous en remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a des commentaires ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Voilà. Alors, eh bien, on va. Alors, on autorise. Si elles veulent rester, elles peuvent rester. Madame Caro et Madame Ombrux. Vous pouvez. On a plus besoin de votre grande connaissance sur ces sujets-là. Et en tous les cas, on vous remercie. Mais vous êtes cordialement invité à rester avec nous. Non, mais alors, allez-y. On achète, voilà. Je donne la parole à monsieur. Concernant la journée sport aventure, donc je rappelle que cette année elle aura lieu le dimanche 19 mai 2019 et donc que la journée sport aventure a prévisionné, a prévu un budget prévisionnel donc de 1 280 € cette année. Il y aura un certain nombre de nouveautés, vous verrez en fait des animations un petit peu nouvelles qui ont été prévues cette année avec la participation des associations aussi locales. Et donc cette année, on souhaite faire une demande de subvention auprès du conseil départemental afin d'alléger la charge communale. Donc je vous invite donc à participer à voter cette demande de subvention. Mmh. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Parce que c'est fait par la commune. Théoriquement, c'est dans le. Alors, on me dit qu'on a passé tout ce qui était avant le budget. Oui. On va aller voter à la fin. Quand tout le monde sera épuisé, comme ça. Non, parce qu'il y a des sujets qui sont plus intéressants après que avant. Ça me dérange si on ne revient pas au début sur les votes. Allez, on continue. Alors là, je laisse la parole à. C'est qui là ? C'est moi ? Ah oui. C'est la dernière activité. Ah oui, ah oui. Donc, vous savez, on l'a dit, on l'a redit, on a fait des travaux à Pagnol, et il se trouve qu'on avait une promesse au départ du conseil départemental d'être mieux, d'avoir une subvention plus importante que celle qu'on a eue finalement sur l'ensemble des travaux de Pagnol. On est allé discuter avec le conseil départemental, on a pleuré un peu, vous en doutez. Et comme il y avait une tranche de travaux qui n'a pas été subventionnée ni par la DETR, ni par le conseil départemental, ils nous ont dit qu'on pouvait demander une subvention. Et c'est ce qu'on fait. Donc la subvention la plus haute possible. Sachant qu'on avait un manque à gagner d'environ 300 000 € et qu'on se doute qu'on n'aura peut-être pas 300 000 €. Mais tout ce qui rentre. Des questions ? Donc je vote. Ah, elle est là. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie.